congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous donc des états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Pour voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune congolais et congolais un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée des forces. J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et toi? Boya Ebele, Totombola Bendele, Ambo Kanabiso. Le jet transportant le chef d'état-major général de FARDC s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant-général Tuo Isongisa Christian est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 recrues sur les 10000 attendus. Pour permettre le déroulement de leur formation, les conditions agréables, la logistique a déjà précédé leur arrivée et celle du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock de vivres pour 3 mois et des non-vivres composés des matelas, lits, ustensiles de cuisine et nécessaires des toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina avec des équipements, des matelas, des couvertures destinées à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivre arrivé par le train de vivre des 3 mois qui permettront à ce recruté avec la volonté du chef de l'État qui manifesta à travers le chef d'état-major général de s'ouvrir une formation dans de bonnes conditions. Dans ses déplacements, le général Tio s'est accompagné du commandant du corps d'hygiène militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, de l'eau et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera du renforcement des capacités dans ce domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. À cette occasion, le général Tshiwo a transmis les instructions du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des recrues. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Les commandants suprêmes veulent changer cette armée. Et pour changer cette armée, les commandants suprêmes comptent beaucoup sur les bases militaires qui tournent à se réhabiliter, qui tournent à s'équiper. Parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui cherchent même à aller rester à Quito. Et c'est comme ça que les chefs veulent comme une base, soit aussi transformée. Il a ensuite visité les dépôts de vivres, les centres de santé, les centres d'instruction et l'hôpital militaire de Kamina, ainsi que l'école de pilotage de la force aérienne à réfectionner très bientôt. Il a également visité les recrues à qui il a transmis les instructions du commandant suprême et rappelé la discipline qui doit les caractériser.
lieutenant général Tchoué Songuessa Christian poursuit sa mission de contrôle et de commandement dans les unités de la 21e région militaire. Après la base militaire de Kamina, il est arrivé ce lundi 31 à Kipushi, dans le Haut-Katanga, à plus ou moins 30 km du nord de Lubumbashi. Sur place, il a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC en attente des déploiements à Pemba, au nord du Mozambique. Cette composante de la force africaine en attente compte 243 militaires de FARDC. À son arrivée, le chef d'état-major général a été convié à l'exposé sur cette unité, présenté par le major Mombeki Adrien, commandant de cette compagnie. Avant de regagner Lubumbashi pour la poursuite de sa mission, le général Tchoué a prodigué quelques conseils aux membres du contingent congolais. En tout cas, vous êtes en train d'espoir marquer cette discipline. Continuez toujours comme ça, garder vos hommes, contrôler les positions, la frontière, avant que vous quittiez ici, n'est-ce pas? Et même si vous quittez, c'est votre compagnie qui... La compagnie qui continue, n'est-ce pas? Il a visité les dépôts d'armement et les chars automobiles de la compagnie. Il y a eu explosion et Dieu merci, jusque-là, nous n'avons pas enregistré un mort parmi les blessés. Nous venons de faire le tour des structures sanitaires, là où sont internés les blessés. Il y a 3 blessés graves et 15 blessés légers. Au total, nous avons 18 blessés. Selon le rapport de médecins, leurs vies ne sont pas en danger. Donc, tout laisse à croire qu'il s'agit d'un acte terroriste commis par les terroristes ADF MTM dans notre ville de Beni. Ça fait longtemps que les forces de renseignement, les forces armées, appellent toujours la population à être trop vigilante. Nous avons beaucoup travaillé. La menace était d'abord pour les fêtes de fin d'année. Nous demandons à toute la population de Beni de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Donc nous devons avoir l'habitude d'éviter les attroupements inutiles. Nous devons avoir l'habitude de suspecter tout le monde. Il n'y a pas un ami, il n'y a qu'un suspect. Donc nous ne devons pas avoir confiance à n'importe qui. À n'importe quand, l'ennemi a décidé de nous faire mal parce que notre armée l'a mis aussi mal à l'aise dans la brousse. Donc dans la vallée de Mwalika, dans le Watalinga, l'ennemi a perdu beaucoup de ses hommes. Maintenant l'ennemi a pris la décision de rentrer dans les agglomérations. Hier c'était à Kassindi, aujourd'hui c'est Beni. Faisons le tout possible pour travailler et mettre hors d'état de nuire cet ennemi. L'ennemi terroriste ADF MTM n'est pas tout simplement affaire des FARDC ou bien des armées partenaires, mais c'est l'affaire de tout le monde. Rassurez-vous, nous faisons le mieux possible avec les services de renseignement pour d'abord mettre la main sur ces papas, les responsables de cet acte, les kamikazes en question. Comme nous l'avons fait à Kassindi, nous allons encore arrêter ces papas de force ou de craie. Nous allons mettre la main sur les parce que nos services sont déjà déployés. Nous avons dit ça à Kassindi, les gens ne nous ont pas cru, mais à Kassindi, nous avons déjà arrêté 3. C'est pour vous dire que nous travaillons et nous évitons du populisme dans les médias. Inauguration du mess des officiers et sous-officiers à l'état-major 33e groupement aérien de Kisangani. Ce vendredi 27 janvier 2023, c'est le maire de la ville de Kisangani, M. Delili Koundé, représentant personnel de son Excellence Madame la gouverneure de province de la Tchopo, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique à l'ouverture du mess des officiers et sous-officiers à l'état-major 33e groupement aérien de Kisangani, aux côtés du président de l'Assemblée provinciale et les commandants 33e groupement aérien. Pour la circonstance, les commandants 33e groupement aérien, le général des brigades Richard Fitoumbé, a invité à cette cérémonie plusieurs autorités, tant civiles que militaires de Kisangani. Et les mots de circonstance prononcés par les commandants 33e groupement aérien. L'inauguration du mess des officiers et des sous-officiers de l'état-major du 33e groupement aérien. Mais dont la fin des travaux vient d'avoir lieu grâce au sacrifice consenti par tous les membres de notre état-major. Avant toute chose, nous remercions les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent bec et ongles pour établir la paix
dans certains points du pays occupés par les ennemis de notre nation. La paix, facteur capital, est très important pour le développement d'une nation. Nos remerciements vont vers toutes les autorités, tant civiles, policières que militaires, qui, malgré leurs nombreuses occupations, n'ont pas hésité de répondre à notre invitation pour qu'elle soit avec nous dans ces cas. Après la coupure du ruban, les hôtes de marque ont accédé aux messes des officiers poursuivant une visite guidée des lieux. Il faut noter que le 33e groupement aérien a consenti de gros efforts pour la construction de ces bâtiments à 4 pièces, dont un restaurant pour les officiers et sous-officiers, un salon pour les officiers généraux, une cuisine et un dépôt. Il faut y ajouter des toilettes modernes et douches pour les usagers. Le dialogue et la réconciliation entre les communautés itouriennes, moyens pacifiques et privilèges, le commandant suprême de FRDC, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour résoudre les conflits et restaurer la paix en Ituri. Ayant compris ceci, le fils et filles du territoire de Mahagui réfléchissent depuis ce samedi au chef-lieu de ce territoire en toile de fond, proposer des pistes de solutions aux problèmes d'insécurité au sein des communautés. Observez, ces derniers temps, l'abbé Prosper Rugamba, directeur de Caritas du diocèse de Mahagui, parlant au nom de l'évêque, estime que l'Église a tant joué son rôle dans ce processus de paix. Au-delà du fait que l'Église catholique s'engage à empêcher la paix, elle agit au travers de la commission de diocésaine de justice et paix pour la pacification, pour la réconciliation et aussi davantage pour donner des occasions où les différentes parties qui sont en conflit puissent s'exprimer afin de rechercher une paix. Pour le député national Daniel Oumafoura, ces assises constituent un cadre idéal pour l'avenir du territoire de Mahagui. Je sais que nous allons couler sur papier un certain nombre d'éléments que nous appellerons feuilles de route qui permettront à Trépan des actions sur terrain, des actions auprès des gouvernants de manière générale, c'est-à-dire les autorités qui nous administrent sur tous les plans, que ce soit au niveau des localités, au niveau des groupements, au niveau des chefferies, au niveau du territoire. L'approche non militaire comme celle-ci, réunissant le leader communautaire et les forces vives dont l'objectif est le retour de la paix et le développement de la province. Les phénomènes Kuruna refait surface dans plusieurs communes de la ville de Guémena, au grand désarroi des paisibles citoyens. Les autorités politico-administratives, impuissantes face à ces retours en force de ces phénomènes, plaident pour un renforcement des dispositifs sécuritaires contre ces gangs dangereux qui troublent la paix et la sécurité dans les quartiers populaires de Guémena. Lundi 23 janvier, vers le rond-point Kisakine, dans la commune de Lab, un groupe de Kuruna se réclamant de la base américaine s'est livré à des actes de pillage, des raquettes et blessant leurs victimes au moyen de machettes. Face à ces phénomènes dangereux, le commandant secteur opérationnel nord-équateur, le général-major Kisebou Lamoussen Isaac, a convoqué une réunion d'urgence avec des notables et des membres de la société civile du Sidoubang afin de trouver la thérapeutique appropriée pour la sécurisation de la population et la protection de la jeunesse, pierre angulaire du développement. Quelques jeunes de l'État ont été pris la main dans les sacs par la police militaire en opération pour l'éradication des Kuruna dans cette partie de la République.
public. Reconnaissable par leur coiffure extravagante, des tatouages et grossissements non sportifs de muscles, ces jeunes délinquants se servent abusivement de l'injection de tramadol, la prise excessive du chanvre et de l'alcool frélaté, appelé communément agamé, pour accomplir leur sale besogne. Lieutenant-colonel au nom de l'UFR ST du 13-02 Rogement nous relate les méfaits de ces gangs. Nous avons deux mouvements à Koulouna. Nous avons la Koulouna à Chekamine, nous avons la Koulouna à Amérique. Nous avons la Koulouna à Amérique. Nous avons la Koulouna à Amérique. Nous avons la Amérique. Nous avons la Koulouna à Amérique. Nous avons la Koulouna à Bango et États-Unis. Donc, il y a un trouble dans la cité. Nous avons la place où nous avons un peu de sakine. Nous avons l'église catholique dans la cité. Nous avons un grand marché. Nous avons la terreur. Nous avons un peu de sakine. Nous avons un peu de sakine. Nous avons un peu sérieusement. Nous avons un objet tranchant. Nous avons un peu de sakine. 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 Nous avons un armée de chasse. Nous avons un peu de sakine. Nous avons un peu de sakine. Donc, bazoko kabango plusieurs fois la police a mis pour quitter Kuna. Bazoko kundi sa la police. Makasi si omoko mona kwa salami lo parce que tango da ba militaire nous sa Kuna. Ngeni ni mabanga e bamba ma. A bête ba militaire mabanga e zavi ke ba militaire comme ils sont bien formés, ba yeba ba technique tout ça. De ba ke ko zo amener wana, o ba tie maboko wana, o romé wana, na ba mususu wana ba timi, yo moko moni biloko ba abandonné, ba dramon o intravenous, c'est-à-dire la vie a tena serenga, za ko michuba, ba chambre banque a comme Bazana et l'eau pour le moment bidon, au bazo ben de nango, chambre, le bazo utilisé drogue à modèle et nios. Le seul bazo va se droguer, babanga ka soute, bazaga la somme et l'eau pour 19h, la repos du sekinoana, au zoya va couper, chicote ma maboko, téléphone et quoi il va récupérer, bakoti nazan, babotolio, bende vraiment, et général qui se boisoua qui, le ma initiative, pour que tous bas tous à la patrouille, tous mes kakoukot avec le sikanios, pour que qui m'y écoute. Le général major qui cible la moussène Isaac. Dorénavant a ordonné l'intensification des opérations contre les Koulouna dans la ville de Guémena afin de reconquérir tous les sanctuaires autrefois occupés par ces hors-la-loi. Une parade de réconfort moral a été organisée ce samedi 28 janvier 2023 au chef-lieu de la province du Cassé central à l'intention de nouvelles recrues par le directeur en charge des recrutements de la 21e région militaire espace Nouron Kassai, le colonel Milongo Chamakanda Dissiel est aussi présenté au public le recrue. Le directeur en charge des recrutements à la 21e région espace Grand Kassai, le colonel Milongo Chamakanda revient sur la motivation. Donc l'objectif n'est rien d'autre que faire voir à la face du monde que le Grand Kassai en général et le Kassai central en particulier n'est pas de reste. Nous avons bien voulu allégoriser le mot d'ordre, disons, la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo. La parade a eu lieu au niveau du rond-point Notre-Dame, la commune de Katoka, ville de Kananga. Les stagiaires de la 6e promotion d'administration militaire ont visité l'École nationale d'administration. Cette visite d'échange d'expériences pédagogiques a eu lieu dans les installations de l'École nationale d'administration à Gombe, sous la conduite du général Elumba Monga Likumbu Gisla, commandant de l'École supérieure d'administration militaire, en présence du général Patrick Perret, directeur des affaires académiques des Les Armes. À cette occasion, des exposés portant sur l'organisation, le fonctionnement et les conditions de recrutement de ces deux institutions de formation ont été présentés. Ces exercices ont été suivis par les échanges entre les armes et Bénin. Après votre exposé, je me suis rendu compte que les cours dispensés à Bénin n'ont pas tellement de filières. Parce que dans l'administration, on retrouve l'administration centrale, il y a la gestion des ressources humaines, et puis il y a l'administration hospitalière. Je ne sais pas comment est-ce que vous organisez vos différents cours. Je vous remercie. Vous avez dit que les critères pour recruter les Congolais étaient d'abord, ils devaient être
lieutenant-colonel et colonel, mais à part ça, y a-t-il d'autres critères? Et est-ce qu'ils postulent d'eux-mêmes ou ils sont envoyés par l'armée? La deuxième question, c'est à la sortie de l'école, comment se font les affectations des stagiaires? Voici la déclaration du directeur général ad intérim de l'École nationale d'administration à l'issue de cette visite. Nous avons eu des échanges très fructueux, intéressants, qui nous poussent à approfondir notre collaboration avec les deux institutions. Pour nous, nous considérons que c'est le début d'un long parcours entre les deux institutions, parce que nous avons déjà envisager quelques autres activités entre nos deux institutions pour échanger davantage. Nous avons également recueilli des impressions du commandant de l'ESAR. Je vais paraphraser le directeur des affaires académiques. Donc, quand nous prenons l'ESAR, on a très commun, c'est la lettre A, administration. Tout à l'heure, nous avons été dans la salle des cours, il y a un cours de gestion prévisionnelle des ressources humaines. C'est un cours transversal, utile pour les forces armées, utile pour l'administrateur civil. C'est vraiment une visite assez importante qui nous fait, donc nous devons collaborer, faire un échange. Cette visite va aboutir à une conférence qui est projetée le mois prochain, afin que les élèves de l'École nationale d'administration puissent avoir quelques éléments de notion de défense, de stratégie. Des séances, des photos, souvenirs ont mis fin à cette visite. L'examen de relevé téléphonique des prévenus poursuivis pour assassinat de l'homme d'affaires Simba Nguesayo à Goma a constitué l'objet de l'audience de la cour militaire de Kinshasa-Gombe tenue lundi 23 janvier 2023 à la prison militaire de Ndolo. Pour le ministère public, la difficulté dans cette recherche de la vérité est que plusieurs sociétés de communication n'ont pas de serveur à grande capacité de conservation des données. C'est ainsi que l'organe de la loi a rejeter cette démarche, d'autant plus que sur 133 prévenus, certains comme le colonel Abi, le major Ferouz, Amani, Moutabazi, Ombeni sont déjà passés aux aveux. Il a conclu que l'exploitation des relevés téléphoniques s'avère indispensable pour savoir le croisement entre le groupe du prévenu Chombéré et les autres co-prévenus. Auparavant, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, présidée par le colonel magistrat Sangwalumbu Gilbert Paterne, a reçu la demande de comparution de nouveaux témoins déposés par la partie civile. Sur la liste figurent Théophile Ngouabidje et Marcelin Chichambo, respectivement l'actuel et l'ancien gouverneur de la province du Sud. Dans ses avis, le ministère public a appelé la partie civile à motiver sa requête avant de la soumettre à l'appréciation de la cour qui en jugera l'opportunité. D'ores et déjà, il a demandé à la cour de privilégier la lecture des procès-verbaux d'audition de tous les témoins après les avoir cités. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve le structure de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barongo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Pour voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune congolais et congolais un citoyen et une citoyenne engagée.
J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et toi? Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.